Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Le côté d'un bon est comme facile. Et ça, le sous-souté au Katakayou, au Kenegote, les managers, pour tout le monde de Kombo. Dans il y a application sans de rêve au Ezali. Très facile. Au côté échanger à partir à téléphone, au côté de la bande de Kou, au Baza, na Kinshasa, République du Congo, au Baza, na Congo Brazzaville, République du Congo. Facilement, bah, quoi qu'il récupérer, bon, on a dit là, il y a un PSA, Orange Manila Bango, et yo, et si ka ozali, bonne nouvelle, Miami Balé, Zali, que ceux qui ont téléchargé application Sandwer, et continue na code promo Buzz TV, on reçoit $10, le coup la bénéfice, donc il n'y a pas mieux, télécharger, Mokona Lelo, Makambaro Télémanagement Cécile, il n'y a pas mieux que ça, Tindam bon, la facilité, dès aujourd'hui, télécharger Sandwer, on il y a téléphone, na yo, plus facile, il n'y a pas mieux. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a reçu le nouveau ministre des Ressources hydrauliques et électricité, celui des Finances, celui de l'enseignement supérieur et universitaire, sans oublier de la Défense, Guy Mouadian-Vita. Les députés nationaux du Maniema se disent être surpris de voir qu'aucune fille ni fils de leur province ne soit nommée parmi les 54 membres du gouvernement de la République et projettent une pétition quant à l'investiture de l'équipe de la première ministre Judith Suminwa. Gouvernement Suminwa, Madame Suminwa vient d'accoucher de son gouvernement par césarienne. Rien dans cette équipe ne justifie la douleur d'enfantement qu'elle a subie 2 mois durant. Ça, c'est le prince Epengé. Le gouvernement Suminwa s'inscrit dans la vision de la continuité, s'éloigne de la logique du changement dans la gouvernance. Ces missionnaires nommés sont des fidèles récompensés pour pérenniser le pouvoir de l'État contre le peuple avec mission de changer la constitution. Ça, c'est la réaction de Franco Diongo. Voilà, les ministres, on va rappeler un peu quelques noms de nos ministres qui ont donc été nommés. Voilà, 54 membres plus Madame Soumino elle-même. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre de Transport. Jean-Pierre Liao, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique. Guy Mouadian-Vita, vice-premier ministre et ministre de la Défense. Daniel Moukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'Économie. Enfin, Gulan Yembo, vice-premier ministre et ministre du Plan. Jacquemin Chabani, VPM en charge de l'Intérieur. Donc il y a au total 6 vice-ministres, 54 membres contre 57 pour Sama 2. 17 femmes plus Soumino, ça fait 18 femmes contre 16 pour Sama 2. 30 sont nouveaux, de nouveaux ministres. 30 ministres sont de nouveaux. 15 ministres sont reconduits. 9 sont affectés à d'autres ministères. 10 ministres d'État, 24 ministres, 1 ministre délégué et 10 vice-ministres. Un opposant occupe le portefeuille du ministère de la Justice, Constant Moutamba. Pourquoi ce choix? Ce choix qui fait aussi polémique, sans oublier celui de la jeunesse de Madame Tenagano. Son nom est un peu compliqué à prononcer, mais on va s'habituer parce qu'il est désormais ministre. Quelles sont les leçons que nous tirons de ce gouvernement? Peut-il être à la hauteur des défis qui attendent ce gouvernement? Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue dans Grande Tribune. 4 invités sur ce plateau. Je commence par l'ordre d'arrivée. Monsieur Henri Chimbalanga, analyste politique, journaliste également, qui nous fait l'honneur de prendre part à ce débat. Bienvenue et merci beaucoup de nous honorer encore ce matin. Merci beaucoup, Dan, pour cette invitation au regard des sujets, des questions de l'heure qui nous demandent vraiment d'être là, de participer aussi, parce qu'on l'a toujours dit, il s'agit de la RDC. Vous savez, la politique, c'est pas une affaire de loisirs, tel que Vita Imana, quand ton équipe de choix échoue ou perd un match, peut-être ça vous dérange, mais ça n'impacte pas sur votre vie. Mais ici, il est question des gens qui ont des responsabilités au nom du peuple congolais et pour lesquels je demanderais que le Congolais n'ont pas de raison d'en être fanatique.
mais peut-être sympathisant. Et dès lors que ça ne marche pas bien, il faut avoir le courage de dire que ce soit la personne que vous aimez, mais au regard des fonctions qu'il occupe en votre nom, puisque s'il s'agit de l'État congolais, de faire mieux. Parce que là, quand ils échouent, peut-être eux, ils s'améliorent financièrement, socialement, mais la population en souffre. Même ceux-là qui applaudissent, ou les fanatiques, ou les opposants, c'est tout le monde. Nos vies dépendent de la qualité du service rendu par ceux-là qui agissent au nom de l'État. Donc je suis très heureux de retrouver Eri, ça fait aussi beaucoup de jours, et avec les autres maîtres et le compatriote qui est là. En tout cas, bienvenue à tous et je pense que ça sera un bon moment de partage. J'ai senti une touche de journaliste dans votre prise de parole. On l'est toujours, c'est un métier très noble. Très noble en tout cas. Très noble, je pense que... on le sera jusqu'à la mort. Oui. Merci beaucoup de nous honorer aussi ce matin, hors d'arrivée. Monsieur Arnold Singa, lui, il est économiste. Il va nous faire un peu une analyse économique des défis qui attendent ce gouvernement. On va commencer par le gouvernement Sama, un peu le bilan du point de vue économique et aussi voir dans quelle mesure celui-ci va relever les défis du point de vue économique. Parce que l'économie, c'est ça même... qui tient toute une société. Bienvenue, monsieur Arnold Singa. Merci, les grands journalistes Dan. Je suis très heureux d'être sur ce plateau ce matin, traitant des questions comportant une utilité croissante et un trait aux problèmes auxquels gangrène notre pays. Et j'ai saisi cette opportunité pour saluer mes co-débatteurs ici sur ce plateau. Et je pense bien les questions auxquelles on va aborder auront une importance bénéfique pour donner des solutions et des pistes pour les nouveaux gouvernements. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Arnold Singa. Maître Fall Mamba, ça fait aussi longtemps que vous avez été sur ce plateau, mais chaque fois que nous faisons appel à vous, vous ne manquez pas de nous honorer. Merci beaucoup de prendre part à ce débat et bienvenue à nouveau dans Grande Tribune. Merci beaucoup, cher Dan. Ça fait y a un bail qu'on ne s'est plus vu. C'est parce que vous ne m'invitez plus. Vous m'avez invité. Je suis là. Je salue mes co-débatteurs du jour. Je m'en vais directement au niveau de la prison centrale de Makala. Saluer le président Jean-Marc Kabound à Kabound, qui est à ce jour prisonnier personnel de M. Tshisekedi et l'otage politique du régime finissant. Et puis, c'est toujours un débat, prisonnier personnel, évidemment, il a été jugé, condamné. C'est un prisonnier personnel parce que les faits lui reprochés n'ont pas de fondement sur les plans juridiques. Et ça n'a pas été, ça n'a même pas rencontré sur tous les aspects des choses. C'est un, il fut d'abord un député, il a tenu ses propos en tant que député national, en tant que est opposant au pouvoir en place. Et donc, allez-y comprendre si nous disons c'est un otage politique de M. Tshisekedi et nous le savons pourquoi. Je pense aujourd'hui ce n'est pas le débat, mais ce faut au moins que j'insiste sur le fait qu'il est prisonnier personnel de M. Tshisekedi. On comprend qu'il y a des tractations pour qu'il puisse être libéré. Est-ce que c'est cette information? Évidemment, en fait, nous dénonçons ces comportements qui... frise un peu le banditisme dans les chefs du propriétaire de l'article qui est notre ami et frère que nous aimons aussi bien, Yves Bouya. Disons qu'il y a des tractations entre l'Alliance pour le changement et l'IDPS, afin que le président Kabound puisse sortir en tant que président de l'IDPS. Dénonçons ce comportement et nous disons que c'est dénudé de toute profondeur. Et ce n'est pas le bienvenu que personne ne puisse faire confiance à de tels propos. D'accord. Merci beaucoup, Maître Fall Mamba. Monsieur Eri Massimbo aussi nous fait l'honneur de prendre part à ce numéro de Grande Tribune. Nous sommes le 31 mai 2024, le dernier jour du mois de mai. Merci beaucoup de prendre part encore une fois à ce débat, à Grande Tribune. Bienvenue. Oui, merci beaucoup, cher Ben. Ça c'est une famille. Comme vous savez, c'est une famille pour moi. L'émission Grande Tribune
C'est une émission que nous avons vu naître et ensemble nous grandissons. Donc merci beaucoup, merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Congo, ma patrie, Congo, ma nation, Congo, Mboka, Congo, Ditungadiani, Congo, Nichiyango, Congo, Bwala Namono, Congo, Mboka, Nangai, Nakobatela Yango. Je salue tous les compatriotes sur ce plateau. Mon aîné Henri, je le salue. Je salue mon frère et ami d'élite, Falmamba. Je salue aussi les compatriotes Arnaud Singa. Et je m'en vais adresser mes sincères félicitations au VPM Jacquemin Chapani pour cette élévation en tant que vice-premier ministre de l'Intérieur. Je crois qu'avec lui, il y aura une nouvelle touche au sein de ce ministère et que l'insécurité que nous vivons à Kinshasa et dans les autres zones ou les autres territoires du pays vont cesser. Et pourquoi pas aussi présenter mes sincères félicitations au professeur Daniel Mukoposamba, partisan de l'école de la méritocratie. Je crois qu'avec lui, l'économie congolaise va être guérie du mal de plus de 60 ans. Et aussi, je salue le premier d'entre nous, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Merci beaucoup. On va directement prendre le premier sujet du jour. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de la publication de ce gouvernement, le tout premier gouvernement post-élection, le tout premier gouvernement du président Tshisekedi pour son second quinquennat? Déjà, il y a un retard dans la mise en place de ce gouvernement. La loi des finances 2024, on se pose mille et une questions, comment il peut faire pour recoller le morceau, les six engagements du chef de l'État également. Mais on va rester sur les leçons de ce gouvernement. Plusieurs mois d'attente, des jours, des semaines, les Congolais étaient vraiment, vraiment impatients de finalement connaître ce gouvernement. Quand vous l'avez suivi, vous avez suivi à la télévision nationale, le déroulé, comment vous avez analysé, comment vous avez accueilli ce gouvernement et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de celui-ci? Bon, Dan, je pense que c'était un moment fort parce que il y a des paramètres qu'il faudrait prendre en compte. Dans le premier, le plus grand paramètre, c'est d'abord le fait que c'est le dernier mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi. Mmh. Et ainsi, ça lui demande de faire mieux pour rencontrer ce que lui-même a reconnu et qu'il faut que les erreurs du passé ne reviennent pas. Ça voudrait dire, c'est ce temps ici qui lui est imparti. C'est dans ce temps-là qu'il devra tout faire pour effectivement faire mieux, corriger au mieux, dans la mesure du possible, ce que lui-même a qualifié les erreurs du passé. Alors, cela faisait que le peuple congolais attendait ce moment-là. Et à la publication de ce gouvernement, apparemment, même quand vous vous sentez dans la population, il y a un peu plus d'inquiétude, pour ne pas dire de déception. Déception d'une part, du fait que il y a finalement cette sorte de personnes qui sont comme... qui eux ne sont pas redevables à la République, mais au contraire, c'est la République qui est redevable maintenant à ces gens-là. Depuis Joseph Kabila, ils sont toujours au gouvernement, et curieusement, on pensait que cette fois-ci, Félix Tshisekedi, dans une mesure très considérable, devrait casser néanmoins ce mythe-là. Parce qu'il est aussi vrai que quelqu'un peut être là au regard des résultats. Mais si tout un nom là, toute une liste de personnes qui, à peine, on ne sait pas répertorier leur performance ou leurs résultats par rapport à tout ce temps qu'ils ont été ministres dans différents gouvernements. Et ces personnes-là reviennent toujours. Voyez un cas le plus patent. On a vu Félix Tshisekedi lui-même à pied sur l'avenue Nguma, il n'y a même pas 3 mois. Où tout le monde était déçu. On l'a vu même s'en prendre à Alexis Guizarro, qui était ministre des Travaux Publics. Mais c'est-à-dire qu'il se rend compte que, voilà, ici, il n'est pas question qu'on me donne un rapport. Vous avez échoué, monsieur, le zéro trou. Mais curieusement, le monsieur est reconduit aux mêmes fonctions. Il peut donner quelle explication? Tout cela va nourrir des déceptions. Vous savez, Dan,
la bénédiction d'un gouvernement national trouve d'abord sa source dans la confiance qui entre la population et ce gouvernement-là. La confiance, c'est le capital. Cet élément-là déclenche cette bénédiction et l'accompagnement du peuple derrière les actions de ce gouvernement-là. Mais dès lorsque le peuple ne fait que voir déjà des signes qui n'encouragent pas, quelqu'un que vous avez vous-même étant sur le champ en tant que chef, et la population ne faisait que chanter à la déception là. Et curieusement, il est reconduit toujours au même poste. Alors il y a lieu de se demander, peut-être, finalement. Peut-être aussi c'est là. Ça serait dû au fait qu'il y ait eu des tractations et que la personne qui a repêché certains ministres qu'on a connus depuis longtemps, c'est peut-être Madame Toulouka qui a aussi fait des consultations. On va pas oublier. Oui, Dan, je pense que en regardant un peu l'ossature, Madame Toulouka serait peut-être formateur, pour ne pas dire formatrice, peut-être à 10%. Le reste, c'est en tout cas qu'on ne peut pas aller. On est journaliste. C'est-à-dire, nous prenons les faits. Et les faits nous démontrent que c'est pratiquement la main du président de la République lui-même. Parce que tous ces gens-là qui reviennent, qu'est-ce que Toulouka a à faire avec elle, avec ces personnes-là, s'il vous plaît? Ça voudrait dire que tout ce pléthore-là, c'est le fait, c'est le choix du président de la République. Donc, c'est plus le président de la République qui a formé ce gouvernement. Les faits sont très clair. Vous voyez, c'est un peu ça aussi notre discipline en tant que journaliste. Et quand on est devant les faits, bon, nous ne rendons que les faits. Mais les commentaires sont libres, vous voyez. Donc les faits nous démontrent que ce n'est pas Judith Toulouka qui a formé ce gouvernement. Peut-être elle à plus ou moins 10%. Peut-être à 10%. Mais tout le reste, c'est pratiquement le président. Est-ce que vous remarquez qu'il n'y a pas mariage entre ce que le chef de l'État lui-même a dit et par rapport au casting? Quand il dit qu'on ne peut pas revenir sur les erreurs du passé et qu'il reconduit ceux qui visiblement ont échoué, comment ça s'explique que le chef puisse agir plus ou moins contradictoirement à ses propres propos? Bon, c'est aussi de plus en plus que le chef soit très prudent. Il risque lui-même d'être artisan de l'éloignement du peuple congolais face à lui sans le savoir ou sans rendre compte. Parce que vous savez, nous partons des erreurs du passé. On a tous ces gens-là qui sont là, mais malheureusement on ne trouve pas de résultats qui seraient comme leur justificatif où tout le monde dira que non, celui-là mérite. Prenez par exemple le ministre Liaou. Mais vous voyez, quand lui a démissionné de son poste pour aller au Parlement, eh bien, c'est tout le monde qui est allé le saluer, lui offrant même une vache, une bête sur pied. Et tout le monde sent que non, non, ce monsieur a travaillé. Il a produit des résultats. Ouais. Et il y en a même qui souhaitaient, j'étais même parmi ceux-là qui pensaient qu'il a le profil d'être Premier ministre. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont revenus comme celui-là. On se dit non, 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 qu'on lui donne encore la chance de continuer. Vous voyez? Donc, mais dans la globalité, il n'y a pas vraiment... il n'est pas facile de comprendre le pourquoi le président de la République a reconduit toutes ces têtes-là, qui sont aussi nombreuses, et je pense même, ces gens-là, ils vont finalement développer cette culture, comme disait Tambwe Mwamba. Moi, je n'ai jamais sollicité la République de travail, mais c'est la République qui m'a toujours sollicité. Et ces gens-là risquent d'être plus puissants que Toulouka. Parce qu'ils vont lui dire, mais madame, toi, tu es venu que seulement aujourd'hui. Nous, on est là et on reste. Toi, tu vas partir. Nous, on va être là. Merci. Donc, ce sera une situation... On ne le souhaite pas, mais ça donne l'air d'aller comme cela. D'aller Vous voyez, par exemple, on a exemple pour chuter. Oui. Nous avons un secteur qui a des sérieux problèmes, très graves. C'est la jeunesse. La jeunesse est totalement désorientée. Mais quel est le profil ou quel est l'élément qui a milité à ce que l'on prenne un personnage apparemment inexpérimentée, bien qu'on dit qu'elle a été vice-bourgmestre à la commune de Ngaliema. On sait qu'elle serait venue d'un quota, d'un certain parti politique. Mais est-ce que, au regard des problèmes de la jeunesse congolaise, je ne pense pas que
la nouvelle ministre à la jeunesse vraiment ait un profil qui puisse répondre à ces attentes. À ces attentes-là, la jeunesse a beaucoup de problèmes, problèmes de chômage, problèmes mais, aussi de, on va dire... de mentalité, d'encadrement, donc tous les problèmes de la société, c'est ça part de... La jeunesse en est comme une caisse. Comme une caisse, justement. Merci beaucoup, M. Henry. Monsieur Rantinga, je finis avec vous parce que votre approche est plutôt économique. Je donne la parole à Fall Mamba. Votre avis, le gouvernement Sam est plutôt soumis à Toulouka. Comment vous avez accueilli d'abord ce gouvernement quand vous avez lu la liste? Et quelles sont les leçons que nous pouvons, que vous avez tirées de cette liste? Un non-événement. Un non-événement maintient des erreurs du passé. Nous félicitons les ministres de la jeunesse. Moutamba n'est pas un opposant. Bref, un gouvernement de pornographie. Non, s'il vous plaît, Fall Mamba, s'il vous plaît. Alors, empruntez-moi alors les mots. S'il vous plaît. Comment empruntez-moi les mots. On pouvait dire ça dans une émission. Empruntez-moi les mots. Qui est. Hein? Par élégance, je retire. Je pense que je vais donner le message. Vous savez, parfois il faut être dur. Il y a quand même une race qu'il faut sauver. Quand nous sommes durs, c'est parce qu'il faut forcer les choses pour que ça change. À un certain moment, il faut faire comme ça. À un certain moment, il faut ça. Problème de mentalité, problème de moralité éthique. Pouvons-nous au jour d'aujourd'hui parler de l'éthique et la moralité? Nous avons dans ce gouvernement les gens tels que Kibasa, qui dirait s'était reproché avec cette histoire des rames. Nous n'avons pas encore oublié. Nous avons celui-ci, c'est qui? Les gens, les siens, les Boussa. Avons-nous oublié? Avons-nous oublié sa gestion? Mais quand vous dites non événement, c'est-à-dire que... C'est un gouvernement qui ne va en fait pas résoudre les problèmes des Congolais, qui va se satisfaire. Ils vont se faire la santé financière, ils vont se construire, de taper des belles maisons, des voyages comme leurs frères et l'exemple qui prêche par des voyages, et aussi vont emboîter les pas avec des voyages. Parce que quand nous parlons des erreurs du passé, cher Dan, il faut se poser une question à savoir, ces erreurs ont été commises où, quand, pendant quel quinquennat? C'est là le fond. Parce que j'ai l'impression que beaucoup zappent la vraie problématique. C'est que les erreurs du passé ont été commises quand? Où? Pendant quel quinquennat? Il y a quand même quelques têtes qui ont quand même travaillé pendant le premier. Revenons d'abord sur la base. Les erreurs du passé, c'est lui-même Tshisekedi qui est une parenthèse que la République doit le plus vite possible fermer. C'est l'erreur que les Congolais nous avions commis d'avoir Tshisekedi comme président. Et c'est l'erreur qu'il faut vite réparer. Comment ça? Tshisekedi, c'est l'erreur du parcours. Et nous l'avons eu par chance et Loro Pamba, président de la République. Il y a eu élection. Écoutez, cher Dan, mais est-ce que vous appelez ce qu'il y a eu le 23 ici? Élection, c'est ce que vous appelez? C'était le congrès de l'UDPS organisé par M. Kadima. Non, arrêtez ça. Et l'UDPS a envoyé sa liste et on a nommé les députés. Nous sommes là, nous n'allons pas amadouer qui que ce soit. Et nous disons ce qui existe et nous disons des choses vraies. Qu'ils acceptent ou pas, mais nous disons la vérité. Et que nous n'avons rien à entendre de ce gouvernement. Tshisekedi lui-même, c'est l'erreur du passé qu'il faut vite réparer. Et le peuple doit se prendre, le peuple doit prendre conscience. Vous savez, je vais paraphrer quelqu'un qui disait que le peuple peut retirer son mandat. Le peuple peut retirer son mandat. Le peuple peut, sous une autre forme, se déclarer que, messieurs, nous vous avons fait confiance, mais nous avons estimé que vous n'êtes pas à la hauteur de la responsabilité que nous avons conférée, et nous retirons le mandat.
vous aurez aimé que ce gouvernement soit comment? Votre volonté, qu'est-ce que vous aurez aimé voir? Non, il faut d'abord commencer par comprendre que nous sommes face à l'erreur du passé. Et même ici, cette erreur nommée comme ange, des anges, comme des ministres, il n'y aura rien. Tu sais que Dieu lui-même, c'est l'erreur. D'abord, tout c'est ça le fond. Tu sais que Dieu lui-même, c'est l'erreur. Et vous voulez que nous puissions attendre quoi de M. Tshisekedi? Rien d'autre. Mais rien. Mais attendez. Peut-être Tshisekedi, là, c'est une affaire peut-être personnelle. Mais quand on voit certains profils qui sont là, vous avez vous-même salué le cas de Constant Mutamba, qui, je ne sais pas pourquoi vous avez salué sa nomination. Vous avez salué la nomination, je ne sais pas moi, d'un autre ministre que vous avez cité tantôt là. Est-ce non, que, mais... pas tant... comment dire, la gouvernance de chaque secteur, si on prenait chacun de façon individuelle, il y a quand même certains qui peuvent se démarquer. Écoutez, quand vous dites d'abord en premier lieu qu'il y a un problème personnel, mais non, le Congo c'est notre, le Congo c'est tout ce que nous avons, je n'ai pas double nationalité, je suis d'abord congolais et je resterai congolais. Ils ont leurs enfants qui ont des doubles nationalités, si aujourd'hui ça bardait, leurs enfants iront dans leur deuxième pays. Et nous n'avons choisi que la République démocratique du Congo comme notre seule et l'unique patrie. Mais vous parlez de profil. Ici, je tiens à vous dire, j'ai donné des précisions. Je n'ai pas salué la nomination de M. Mutamba. Mais j'ai précisé que Mutamba n'a jamais été de l'opposition. Mutamba, c'est un bon ami de notre cher Vincent Karega. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre quelque chose là? Non, écoutez, Mutamba était parrainé par M. Vincent Karega. Mutamba maintient des liens avec le Rwanda. Et nous dirions que le ministère de la Justice est entre les mains des Rwandais. Parce que est-ce qu'ils ont détecté cet lien qui existait entre Mutamba et la communauté rwandaise? Écoutez, nous sommes assez informés par rapport à beaucoup de trucs. C'est comme ça que nous disons qu'il n'y a rien à entendre de ce gouvernement. Et je précise que le dollar est aujourd'hui à 2,29. Je précise. On a fait sortir le gouvernement quand? C'est pas plus tard, mais aujourd'hui, demain, le dollar va atteindre 300. Allez-y comprendre que qu'est-ce que nous pouvons déjà en amont attendre de ce gouvernement. Il n'y a rien. Y a le parce que nous sommes... Moukoko Samba qui... Ne nous inventez pas les bois. Moukoko Samba, Moukoko même, Samba qui a quand même un profil à travailler comme ministre du budget dans le passé. Ses résultats étaient quand même perceptibles. C'est quand même quelqu'un qui a du monde de moralité. Cher frère. On n'est pas trop dans l'air tout voir en noir. Cher frère. De façon objective. Soyez objectif. Cher Dan, ne soyez dans l'ère à Troïka avec Mata Tamponio, il nous avait amené à l'époque ce que nous appelons macroéconomique. Pendant qu'au niveau de la cité, on continuait de mourir de faim. Ici, de l'autre côté, dans l'ère à Troïka, ils nous ont vanté ce que nous appelons les macroéconomiques qui n'a rien profité aux paisibles citoyens. Et aujourd'hui, vous voulez que nous puissions acclamer? Bon, comme vous le voulez, nous acclamons Moukoko Samba. Merci. Vous allez vous faire encore une santé financière. Félicitations. Et vous voulez que nous puissions continuer comme ça, que le Moukoko Samba soit toujours là, que les gens Lucien Boussa et qu'il nous continue toujours de se faire santé, la santé financière. Merci. Fall, on comprend pour vous que c'est qu'il faut changer. L'erreur du passé, le problème, c'est ça. Les erreurs du passé. Les mêmes la noms. Base. Les mêmes noms. Les erreurs du passé, la base. S'il faut parler des erreurs, c'est d'abord M. Tshisekedi que le peuple très bien. Doit urgemment sanctionner parce que le peuple a le plein droit de retirer son mandat. Là, vous parlez en tant qu'opposant. Non, mais je suis clair en tant que Congolais, je m'exprime. Merci, Fall. Alors, Eri Massimo, votre avis, comment vous avez accueilli ce gouvernement et quelles leçons on peut tirer de celui-ci? En fait, c'est d'abord un gouvernement qui est nié, qui est issu des tractations, des plusieurs tractations. Il faut comprendre que le paysage politique de notre pays tel qu'il est aujourd'hui, c'est très difficile de pouvoir composer un gouvernement sans pour autant faire recours aux chefs de regroupement et aux chefs des partis politiques. Bien que nous soyons dans l'Union sacrée, et nous savons tous que en politique, la plupart des gens qui se réunissent
surtout dans le profil qui est le nôtre au Congo, c'est pour les intérêts. Et c'est dans ces circonstances que ce gouvernement est né. Donc en cela, je voudrais d'abord saluer le bravoure du président de la République et sa vision. Peu importe ce que nous pouvons dire sur ce gouvernement, vous savez, c'est le chef de l'État qui est l'unique à juger la nécessité et l'opportunité de pouvoir faire des choses. Et le gouvernement qu'ils nous ont donné, il faut être un peu optimiste et leur donner le bénéfice du doute pour voir comment ils vont travailler. Qu'est-ce qui peut pousser les Congolais à être optimistes vis-à-vis de ce gouvernement? D'abord, c'est d'abord le second quinquennat du président de la République. Et Madame Souminwa, ce n'est pas Samalou Kondé. Madame Souminwa, Touluka, c'est un autre visage à la tête de ce gouvernement. Et c'est son premier gouvernement qu'elle forme ensemble avec le chef de l'État. Donc, avec un nouveau programme sur les 6 axes tels que ça a été donné ou détaillé par le chef de l'État, et aussi le programme du gouvernement qui seront présentés devant les élites, nous croyons à l'esprit management assez avancé de Mme Judith Touluka, et nous donnons à ce gouvernement les bénéfices du doute, bien que nous savons que la population congolaise est devenue un peu sceptique par rapport aux événements du passé. Ce n'est pas seulement le premier quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que j'ai appelé l'écologie nationale, mais c'est plutôt de toutes ces années sombres que le pays a connues. Donc vous êtes satisfait, vous, de ce casting? En fait, j'ai dit qu'il faut leur accorder le bénéfice du doute et être optimiste. Nouveau mandat, nouvelles idées et nouvelles opportunités, nouvelles ambitions. Donc, je crois que ce second quinquennat, le chef d'État lui-même, tel qu'il avait relevé certaines erreurs du passé, je crois fermement, avec les castings qu'il a fait et la confiance qu'il a donnée à ses hommes, je crois fermement qu'il y aura du travail qui sera fait en faveur de la population. Il ne faudrait pas être très sceptique, mais il faudrait un peu d'optimisme dans ce gouvernement. Mais vous savez qu'il y a des ministres qui, au regard du bilan déjà du gouvernement Sama, on va dire qu'ils ont échoué. Qu'est-ce qui peut expliquer leur réaffectation à un autre ministère ou leur reconduction? Malheureusement, on ne peut que faire avec eux. Pourquoi, cher Dan? Parce que la plupart de ces ministres-là sont issus de leur regroupement, sont des fois des chefs des partis politiques ou des regroupements politiques. Il peut arriver d'une manière ou d'une autre que leurs noms ont été envoyés, alignés sur la liste. Par rapport aux banques courantes des autres personnes ou individus qui ont été alignés sur la liste, c'est leur banque courante qui est un peu plus élevée. Vous voyez un peu, et puis par rapport à leur parcours. Donc je ne dirais pas ici que tout est noir, non plus que tout est blanc. Mais néanmoins, il faudrait faire la part des choses. Hein, s'il faudrait prendre par exemple M. Liaou, comme mon aîné Henri Tshimbalanga, il a reconnu au moins le travail qu'a fait Liaou. Si on peut prendre par exemple Jean-Pierre Bemba, nous savons tous que Jean-Pierre Bemba, dans quel état il a pris notre armée, dans ces 2 dernières années, comment est-ce qu'il a pu travailler pour que notre armée puisse au moins faire les avancées sur le terrain. Le bilan de Bemba est positif. Par rapport à mes analyses personnelles et par rapport aux éléments sur terrain, le bilan de Bemba s'avère être positif. Qu'est-ce qu'il a fait Non, mais à la dernière minute ici, la montée en puissance de notre armée, au vu de la situation politique et des enjeux sur la région des Grands Lacs, mais notre force essaie de s'imposer pour récupérer quelques zones qu'elle a pu récupérer face à l'ennemi qui est le Rwanda. On ne peut pas rejeter... Il a récupéré quelques territoires, quelques localités. Bien évidemment, vous êtes journaliste, je ne peux pas me donner cet exercice pour pouvoir vous informer, alors que c'est vous qui devez nous informer. Mais le Masisi, les Rutshuru... Bien évidemment, cher Dan, aujourd'hui, si notre armée est très faible, que nous le pensons,
les M23 auraient déjà, les Rwanda auraient déjà atteint le Goma. Les deux territoires, donc, et les localités sont sous contrôle de l'armée rwandaise. Mais ce n'est pas tout le territoire de Rutshuru qui est sous contrôle de l'armée rwandaise. La mine de Rubaya. Non plus le territoire de Masisi qui est sous contrôle de l'armée rwandaise. Mais ce sont quelques localités. Je ne refuse pas. Mais notre armée se prépare pour un assaut pour récupérer la cité minière de Rubaya. Donc, il ne faudrait pas rejeter tout le travail qui a été fait. Mais il faudrait voir et faire la part des choses là où ça a avancé. Il faut se dire oui, ça a avancé. Mais vous reconnaissez quand même qu'il y a des ministres qui ont échoué, qui ont été reconduits. Non, j'ai dit toujours, ce n'est pas la première fois que j'ai pris, j'ai dit toujours, si on a 50 ministres, c'est pour que 50 problèmes des Congolais puissent être résolus. Très bien. D'accord. Je l'ai dit toujours, non, je suis franc. Hein? D'accord. Si on a 50 ministres, c'est pour que 50 des problèmes des Congolais puissent être résolus. Si aujourd'hui on a 54 ministres, c'est pour que 50 problèmes des Congolais puissent être résolus. D'accord. Et il faut faire la part des choses dans tout ce qu'il y a. Donc, il n'y a pas que la couleur noire, les tableaux n'est pas, c'est ma peine, en blanc ou totalement en noir, mais il faudrait faire la part des choses par rapport à chaque département ministériel qui a été confié à tel ou tel autre ministre. Et je crois qu'il y a des enjeux et il y a des défis à relever par rapport à mes analyses. Je crois qu'il faut mettre un accent très particulier par rapport au ministère des hydrocarbures, par rapport au ministère de l'énergie, par rapport au ministère de l'agriculture, parce que le peuple aujourd'hui attend l'amélioration conséquente par rapport à tout au secteur que occupe, dont ces ministres ont un regard. Merci beaucoup pour vous. Il faut laisser la chance à ces ministres, laisser les voir à l'œuvre. Alors, monsieur Arnold Tsinga, vous qui êtes économiste, dites-nous, dans les choix des animateurs des institutions, on va dire des institutions financières, ministère du budget qui a été reconduit, ministère des finances, un nouveau, ministère de l'économie, professeur Moukoko Samba. Pensez-vous qu'avec ce casting, il est possible que nous ayons une économie qui soit une économie qui répond aux attentes? C'est la fait qui justifie les moyens. Je viens d'entendre un cri d'impuissance. Les cris d'impuissance, les maîtres ont beaucoup parlé mais n'ont rien dit. N'a rien dit de spécial, n'a rien dit de spécifique. Il est important d'expliquer avec clarté que le ministre nommé ne fait rien d'autre que de remplir, de matérialiser la vision du président de la République, parce que nous avions entendu lors du discours de son investiture, le président s'est tablé sur des points comportant une utilité capitale, telle que la création de plus de 6 millions d'emplois. Grâce à la valorisation de l'entrepreneuriat des jeunes. Le président a parlé de ces points. Le président est allé plus loin pour parler de la valorisation ou la protection du pouvoir d'achat de la population grâce à la stabilisation des taux d'échange. C'est important d'expliciter, c'est important d'en parler. Ça, on ne peut pas juger maintenant, mais moi, quant à moi, je pourrais mener ou aborder mes analyses à ce qui concerne ces points spécifiques tablé par le président de la République. Comment faire, comment parvenir à réaliser cet objectif primordial du président de la République, tel qu'est la protection, la création de plus de 6 millions d'emplois. Aujourd'hui, nous voyons les taux de chômage qui s'est volatilisé à 84%. La création d'emplois semble évidente. Pourquoi? Parce que ça nous permet de faire face au chômage, de faire face à la précarité en termes de subsistance vitale, de lutter contre la pauvreté de masse, mais aussi de permettre à la population de consommer au travers de leurs propres revenus. Parce que normalement, la consommation fonctionne du revenu. Mais moi, on est plein. Je ne refuse pas. Mais les indicateurs économiques de la RDC sont au rouge. Quand vous parlez du taux de chômage, nous sommes l'un des pays les plus où le chômage est très élevé. Le taux d'échange aujourd'hui, notre monnaie, continue de se dévaluer. Votre co-débatteur d'en face en a parlé. L'économie congolaise, elle est basée sur l'exportation des matières premières seulement. Tout à fait. Nous n'avons pas de production locale. Vous pensez qu'avec ce gouvernement, il est possible que nous puissions changer les paradigmes? Oui, tout est possible.
Tout est possible. Avec ce profil que nous avons, rien. Ces gens qu'on a nommés là, vous rien pensez que... n'est impossible. Le problème, c'est que nous devrions être positifs. Il faut rester positif, il faut être objectif. Pourquoi parce... il faut rester positif? Parce que. Pendant qu'il y a les gens, que... ces gens-là ont déjà travaillé dans le passé, parce... mais le résultat est resté. Le problème, c'est que. À désirer. Parce que les objectifs déterminés par le président de la République semblent demeurer très clairs, auxquels tout le monde comprend. Aujourd'hui, nous comprenons. Nous comprendrons que le président de la République veut battre le chômage. Nous voulons créer l'emploi. Mais le problème se situe où? Le problème se situe dans les cadres macroéconomiques, la façon où les politiques budgétaires, les politiques publiques, les politiques du gouvernement sont menées ou réalisées par les ministres auxquels nous parlons. Ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a des chemins, il y a des voies permettant à ce que nous parviendrons à atteindre ces buts, à atteindre ces objectifs, à réaliser ces objectifs, tels que je voulais dire. Il faut créer l'emploi. Mais comment créer l'emploi? Aujourd'hui, nous avons des emplois. Ce qui manque, c'est quoi? Les gouvernements ne parviennent pas à mener des politiques protectionnistes permettant de protéger des emplois déjà existants. Là, on a parlé autrefois ici, sur ce plateau. Ça, c'est un vrai problème parce que vous allez à Almété, il y a des personnes qui travaillent. Vous allez à Gombe, là où nous sommes. Et puis, au moins des personnes qui travaillent. Malgré les nombres ou la crise d'abordabilité, la crise d'employabilité dans les marchés d'emploi ne fait pas à ce que nous ayons cette flexibilité en termes de l'offre et la demande du travail. Si. Mais au moins, laissez-moi chuter. Allez-y. Mais au moins, il y a l'emploi. Il y a l'emploi, mais pour garantir ces emplois, pour donner des vies à ces emplois, pour faire en sorte que ces emplois soient durables, il faut mener des politiques. Et c'est ça là où nous sommes. Parce que les cadres juridiques de notre pays, la loi régissant les secteurs ou les marchés d'emploi stupides, que lorsqu'un employé travaille au sein d'une entreprise durant 6 mois, normalement la relation reliante, l'employé et l'entreprise devrait être contractuelle. Mais aujourd'hui, vous irez à la SNED, des personnes qui ont travaillé pendant 50 et pendant 10 ans n'ont même pas signé les contrats de travail. Vous allez admettre des personnes qui travaillent pendant 5 ans, 10 ans, 7 ans, ils sont toujours des journaliers. Ça, il y a un problème avec des entrepreneurs, il y a un problème avec des chefs d'entreprise. Il faut regarder ces cadres qui régissent les marchés pour qu'il y ait la structuration et qu'il y ait la régulation dans ce marché. Mais loin de cela, au-delà des emplois, nous voulons des emplois. Mais le président de la République est allé plus loin pour cibler même, donner la seille des... plus de 6 millions d'emplois. Ça, c'est important d'en parler, grâce à l'entrepreneuriat. Et moi, je pense, même si on met des moyens conséquents aux structures telles que FOGEC, Fonds de garantie d'entrepreneuriat au Congo, l'ANADEC, parce que dans la prégnance symbolique du président de la République, il a prétention de dire qu'on va booster ce secteur grâce à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire le FOGEC qui a été créé par l'ordonnance présidentielle. Ou l'ANADEC, ça c'est impossible, on ne peut pas y parvenir. C'est une bonne... Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mener des grands projets, il faut mener ou créer des zones économiques spéciales. Il faut valoriser des secteurs industriels, des secteurs clés, porteurs de la croissance, porteurs du développement. Parce qu'on peut parler de l'agriculture actuellement, comme j'ai entendu parler. Mais l'agriculture, là, c'est trop, très artisanal. Très traditionnel. Il faut qu'il y ait l'agriculture industrialisée pour booster les secteurs, pour créer plus d'emplois. D'accord. Parce que l'entrepreneuriat, comme nous voyons, avec des taux d'imposition, avec la culture des tracasseries, on ne peut pas parvenir à atteindre 6 millions d'emplois dans 4 ans. C'est impossible de le faire. Quand le président de la République a dit comme ça, il va créer grâce à l'entrepreneuriat, c'est impossible. On ne peut pas créer grâce à l'entrepreneuriat, grâce aux grands projets, grâce au financement innovant. Et c'est important. Merci beaucoup, M. Arnold Tinga. On va revenir vers vous, mais on va devoir avancer parce que le temps nous presse. Mais en 30 secondes, c'est moi, dites-moi. Selon vous, qu'est-ce qui peut permettre le décollage de l'économie congolaise? En 30 secondes seulement. Mais pour qu'il y ait le décollage, premièrement, il faut les cadres. Et notre cadre macroéconomique a des difficultés aujourd'hui parce que
Quand on parle des cadres macroéconomiques, nous avons aussi des agrégats macroéconomiques. On ne peut pas avoir les développements sans que le pays fait preuve des indicateurs de performance. Des indicateurs de performance en termes de leadership, en termes de gouvernance, en termes de management, en termes de l'économie même, on parle, en termes de politique ou la diplomatie. Ça, c'est impossible parce que pour y avoir le développement, il faut faire preuve des indicateurs de performance. Il faut prouver, il faut produire. Il faut prouver. Merci. Merci beaucoup. On vous a suivi. Pour vous, les 6 400 000 emplois... Grâce au service d'entrepreneuriat. Au service d'entrepreneuriat. C'est impossible, vu les tracasseries qu'il y a. Il y a des tracasseries. Les gens vivent dans les microfinances et puis des microcrédits. Impossible de décoller. Impossible. Attendre le take-off. Impossible. Mais bon, voilà. On va revenir à vous. Monsieur Henri, le choix de certains membres du gouvernement est-il basé sur, selon vous, est-il basé sur les critères de compétence ou peut-être sur d'autres critères? Quand on voit M. Guy Modianvita, qui a été patron du journal officiel, on l'enlève de là, on l'amène au ministère de la Défense et des Anciens Combattants. Vous pensez que ce choix-là est un choix qui est dicté sur le critère de technicité ou de compétence? Qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, ce choix-là? Dan, c'est bien parce que je pense que je voudrais aborder un peu l'aspect de ce gouvernement à travers nos 5 ministères de souveraineté. C'est ce que je voudrais mettre un peu en exergue parce que les 5 ministères de souveraineté-là, si ça n'arrive pas à produire, ça ne pourra pas amener toute l'action du gouvernement. Mais avant que je n'y arrive, puisque vous parlez de Guy Modianvita, néanmoins, je félicite sa nomination. Mais je pense que, en premier, le critère qui aurait milité à sa nomination serait plutôt un critère interne. Guy Modianvita, c'est ces jeunes-là qui ont commencé, qui ont grandi dans l'UDPS. Vous voyez? Qui ont grandi dans l'UDPS depuis l'âge de la vingtaine, avec le sphinx de Limité, ils ont traversé toutes les étapes. Je pense que c'est l'un des premiers critères qui a fait qu'il a été là depuis son jeune âge, jusqu'à ce qu'il soit à cet âge, il n'a pas bronché, il n'a pas quitté, il n'est pas allé à gauche, à droite. Il y en a plusieurs comme ça, tels que par exemple l'ancien gouverneur de Mbujima, Imaweja, mais qui a péché par son incompétence à travailler aux fonctions de gouverneur. Mais c'était une récompense au regard de tout ce qu'il avait fait depuis son enfance dans l'UDPS. C'était pratiquement l'un des plus grands piliers en termes de soutien financier. Même la maison de Tiens Tshisekedi à Kabeka-Monga, c'est ce monsieur-là, Maweja, qui avait construit. Vous voyez? Alors, c'était une récompense laquelle lui n'a pas su capitaliser en termes de compétences. Quand il s'est retrouvé gouverneur, ça a été de la foutaise. Bon, que voulez-vous? Monsieur, merci beaucoup. Donc, je pense que, puisqu'il s'agit de Guy Modianvita, du fait qu'il est difficile de cerner ses compétences à ce niveau, moi je pense que au-delà de cette reconnaissance interne du parti, vu son engagement qui est au-delà d'une trentaine d'années, il doit maintenant faire preuve, faire montre de, pour justifier maintenant ce choix-là, pour que le parti ne puisse pas regretter. Parce que le ministère de la Défense, c'est l'un des ministères de souveraineté, un des instruments de souveraineté. Si même notre diplomatie boite, c'est parce que nous n'avons pas cette capacité-là à se défendre militairement. Parce que c'est ça les principes. Partout au monde, quand les États-Unis, par exemple, s'adressent à un pays, notamment vous avez la Chine et l'allié des Américains, le Taïwan, à chaque fois que la Chine veut s'imposer, les États-Unis disent clairement que vous occupez, eh bien nous intervenons militairement. Et là, on revient aux négociations. C'est-à-dire, quand on a cette capacité de se défendre, on peut imposer, aller aux négociations avec force. Mais quand on n'a pas la capacité de se défendre militairement, de défendre son territoire national, eh bien, vous irez dans des négociations affaiblies. Donc, je pense que quel qu'en serait ce motif-là, qui est plus ou moins
naturel. Mais c'est à lui maintenant de prouver aux yeux de tous les Congolais que voilà, l'UDPS n'a pas eu tort de me placer au ministère, de la Défense. Et le bilan de Bemba? Bemba au ministère de la Défense, bon, le bilan n'a pas été totalement mauvais, parce que vous savez, cette matière-là est très compliquée. Il a trouvé ce qu'il a trouvé, il a essayé de se battre, mais le pays a été d'abord amené, par exemple, dans l'EAC. Et l'EAC s'est retourné contre la RDC. Donc la politique nationale sur le plan des affaires étrangères a été très négative, a été improductive par rapport au pays. Il aurait fallu que le président écoute cette opinion contraire qui lui demandait de ne pas amener le pays dans l'EAC. Parce que le Congolais avait déjà vécu cette mauvaise expérience-là. L'EAC, c'est l'ensemble, carrément tous ces pays-là sont dirigés par les Tutsis. Les Tutsis ne pouvaient pas se tourner dos à leur frère Kagame Tutsi au bénéfice d'un Hutu. Non. Impossible. Vous voyez, ils se sont même, ils ont tout fait pour amortir même l'action de la SADC. Mmh, vous voyez, improductif. Voilà, donc ça n'a pas été facile, il faut qu'on se le dise, que Bemba vienne en dépit de tout ce que, évidemment, on s'y attendait, mais ça n'a pas été facile. Mmh. Parce qu'on imposait, lisez même les accords de Luanda. Ce n'est pas en notre faveur. Quand vous avez déjà des accords signés, mais qui sont en défaveur de votre pays, quel que soit le ministre que vous mettrez là-bas à la Défense, il sera toujours limité. Vous pensez que pendant ces 5 années, il est possible que nous puissions récupérer les territoires qui sont aujourd'hui entre les mains des Rwandais? Il est possible, c'est à nous de faire montre d'une organisation d'abord interne et d'être très sérieux dans la prise des décisions. Pas la guerre, ou pas la négociation, comme les suggèrent beaucoup de d'États. Talk and fight. C'est-à-dire, on doit sérieusement préparer la guerre. Parce que quand on attaque de façon forte et précise, eh bien, les négociations seront apaisées. Mais si on n'arrive pas à attaquer militairement, on va encore nous imposer. Qu'est-ce qu'on va chercher aux négociations? On ira en position de faiblesse. Donc, il n'est pas impossible de récupérer. Ce n'est pas la première fois que la RDC soit agressée. Les rébellions ont commencé depuis Mobutu. Jean Scram avait occupé Bukavu et l'Occident l'avait même qualifié de président de cette république-là, sous Mobutu. Mobutu s'était battu par des négociations. Il a amené il a négocié avec certains pays qui l'ont soutenu et pour mettre fin à la rébellion. Merci beaucoup, monsieur Henri Tshimbalanga. Je crois qu'on va nous accorder quelques minutes, hein, Martin Mbombo. Tu me mets la pression là. Tu dois m'accorder. Alors, Falmamba, la question, parlons du secteur du ministère de la Défense. Monsieur Henri a été un peu plus ou moins conciliant. Hein? Quelle est votre lecture? Commençons par le bilan de Jean-Pierre Bemba et par celui qui a remplacé Jean-Pierre Bemba. Merci beaucoup. Parce que la question de l'insécurité, c'est parmi les matières prioritaires, comme l'avait dit le chef lui-même. Merci beaucoup, Sheldon. Je dirais à mon ami Arnaud, tu t'es contredit tellement et dans la prise de parole. Tu t'es contredit. Au lieu de t'apaiser, il fallait d'abord apaiser l'esprit pour que tu puisses mieux t'exprimer. Mais tu n'as pas apaisé ton esprit. Tu t'es vraiment laissé emballer par des contradictions. Reste concentré, il ne fallait pas me suivre. Tu t'es amouillé, mais tu avais un message à donner. Ce n'est pas correct. En ce qui concerne la gestion, vous savez, c'est la politique de M. Tshisekedi que Bemba devait mettre en place. C'est la politique de M. Tshisekedi. Posons-nous la question. Tshisekedi, avec quel programme? La politique de M. Tshisekedi, c'était quoi sur le plan de la défense? Bemba n'allait pas amener sa politique. Bemba travaille sous l'impulsion de M. Tshisekedi. Et moi, je pense que Bemba n'a fait que... Mais en tant que chef de secteur, il est censé... Non, mais Tshisekedi a la signature. Il vous nomme. C'est en tant que vous n'accomplissez pas ce qu'il devait être. Directement, il connaît les mécanismes qu'il faut. Mais déjà... J'estime en toute sincérité, Jean-Pierre Bemba n'a fait qu'accomplir l'agenda de M. Tshisekedi ou le programme qu'avait M. Tshisekedi sur ce secteur. Rien, on ne peut pas inventer le bois.
noir sur blanc. Mais la... Je dirais quoi? Mais la compétence aussi de la personne à qui on confie une responsabilité. Non, est-ce que... Il y a l'émission, oui, mais la personne aussi, disons, en tant que compétente... Bemba était-il compétent pour gérer le ministère de la Défense, oui ou non, sur le plan de profit? Je te dis oui. Mais maintenant, sur le plan de la politique, quelle a été la politique de M. Tshisekedi sur le plan de notre défense? C'était quoi? Et j'ai aimé ce que mon aîné venait tantôt de dire, c'est une matière un peu complexe. S'il faut parler de la défense, s'il faut parler de l'armée, s'il faut parler de ces points. Mais je tiens juste à préciser que Bemba a rempli l'agenda de M. Tshisekedi. Il n'y a rien d'autre à ajouter. L'agenda de M. Tshisekedi, c'était les accords signés, ça et là, non respecté, SADC, EAC, consorts. C'était ça, non? Et Bemba, à son niveau, il allait faire quoi? Il ne peut que obtempérer face à la politique de M. Tshisekedi. Et il a si joué ce rôle-là que M. Tshisekedi l'avait donné. Moi, j'estime que c'est ça. Il a joué, il a réussi. Écoutez, c'est la tête d'abord qui peut transmettre sa vision au reste. Dire que Bemba a échoué, moi je pense que c'est Tshisekedi. C'est Tshisekedi. Parce que le problème, c'est Tshisekedi, c'est la politique de M. Tshisekedi. Et quand la politique, quand il n'y avait pas une bonne politique, comment est-ce que nous pouvons aller chercher les Bemba et les consorts? Non, on ne peut pas aller chercher. Les vrais problèmes à l'heure actuelle, l'insécurité en République démocratique du Congo s'appelle Tshisekedi. Parce qu'il n'a pas eu une bonne politique pour... Il a hérité de cette insécurité. Non, mais écoutez, il a hérité d'un Bounaga pas sous-occupé. À moins que vous me contredisez. Il n'a pas hérité un Bounaga sous-occupé par le M23. Mais il a trouvé beaucoup de groupes armés. Non, mais c'est Tshisekedi qui avait appelé le M23 ici à Kinshasa. Et nous avions vu même des photos avec tous ces membres de l'IDPS prenant des photos avec tous ces membres-là de M23. La renaissance de M23 s'appelle M. Tshisekedi. Non. Mais vous voulez quoi? Ce sont des vérités qui gênent ou quoi? Parce que ces messieurs, sous Kabila, le M23 avait été anéanti, n'est-ce pas? Est-ce que sous Kabila, on entendait encore parler du M23? Mais c'est sous Tshisekedi. Parce que Tshisekedi les a invités. Comment est-ce qu'un groupe armé peut venir sur place au niveau de la vie province de Kinshasa sans que M. Tshisekedi soit informé? C'est sous l'impulsion de M. Tshisekedi que le M23 s'est retrouvé au niveau de la vie province de Kinshasa. Enfin, de négocier avec Tshisekedi. Et les négociations n'ont pas abouti. Les M23 sont rentrés, ils ont occupé sous toujours l'impulsion de M. Tshisekedi. Les M23 ont sous-occupé Bounaga Naé, quelques localités. Et que voulez-vous? Donc pour vous, tout ce qui est mal, nous estimons à ce stade et que les mâles congolais s'appellent Tshisekedi. Et le peuple doit se prendre en charge. Je me souviens qu'en 2000, avant l'élection du président de la République en 2018, les critiques qu'il y avait sous le président Kabila, que le mal du Congo s'appelait Joseph Kabila. Je crois que c'était l'opposition qui disait cela. Un peu dans le même sens que vous aujourd'hui. Vous êtes sûr que si on remplace Tshisekedi aujourd'hui à la tête du pays, le Congo sera un paradis? J'estime qu'un Kabound, le Congo va décoller. Un Kabound, j'estime que... Un Kabound à la tête de la République. Ils sont de la même école, Kabound et Tshisekedi. C'est la même école. Écoutez, Kabound et Tshisekedi, Tshisekedi peut-être n'avait pas bien appréhendé les leçons du Sphinx. Mais je pense que Kabound l'a si bien. Mais c'est son fils biologique. Il est né avec lui. Non, mais il faut faire la démarcation. Il a élevé son fils. Sheridan, il faut faire la démarcation. C'est lui qui a pris soin de lui. Il faut faire la démarcation entre fils idéologique et fils biologique. N'est-ce pas que c'est le président Kabound qui a organisé les partis après le départ du Sphinx? Il a organisé le congrès. Tshisekedi est allé s'embrouiller à Genève avec les restes, les Lamouka et consorts. C'est grâce encore à Kabound que les partis avaient été sauvés. Et Kabound a amené les partis au pouvoir. Et le RI aujourd'hui se retrouve, il peut dire que le président Tshisekedi, si Kabound n'avait pas fait ce travail, est-ce que lui aujourd'hui pouvait appeler Tshisekedi président de la République? Mais non! Et donc, RI doit devoir d'abord en premier aller féliciter le président Jean-Marc Kabound parce que nous vous disons en 2028. Élection,
le président Kabound fera remise et reprise avec M. Tshisekedi. Mais votre parti n'est même pas encore enregistré. Non, mais écoutez, ça c'est un faux débat. Kabound, ça c'est un faux débat. Vous êtes un journaliste. À 7 ans de non, plus, là, vous êtes un journaliste que je respecte beaucoup. Je vous informe ici une fois de plus. Peut-être vous n'êtes pas informé, mais moi je vous informe. Le président Kabound n'a jamais été notifié de sa condamnation. Ça c'est un. Deuxièmement, notre parti est en ordre. Nous le savons, c'est parce que M. Kazadi et consorts ne voulaient pas que l'Alliance pour le changement, nous puissions aller aux élections. C'est comme ça qu'ils vont, ensemble, ils ont mis en place leur politique en refusant. Et puis c'est moi qui ai représenté le parti dans toutes les réunions que la CENI, dans toutes les réunions que la CENI convoquait. Merci beaucoup. Avant qu'il y ait ce bidon de décision, nous inscrions de ne pas participer aux élections. Falmamba. Et donc, j'aimerais que les téléspectateurs retiennent ceci, qu'en 2028, après organisation des élections, M. Tshisekedi fera remise et reprise avec le président Jean-Marc Kabunda Kabound comme président de la République. D'accord. Nous vous souhaitons bonne chance pour ça. Mais je vous dis, c'est ce qui va être fait. D'accord. Il n'y a pas de problème pour ça. Falmamba. Alors, Eric Massimbo, rapidement, on va prendre un secteur, la défense. Parlons un peu du secteur de la défense. D'abord, on a commencé par le bilan de Bemba, le choix de Guy Modianvita, les priorités. Comment vous pensez que ce secteur peut revenir, peut être le secteur qui peut sauver les mandats du chef de l'État? Merci beaucoup, Chardin. Je ne sais pas quand mon frère et ami de la lutte pour un Congo nouveau, Falmamba dit que Eric s'est retrouvé. Je suis retrouvé en quoi et où? Alors que je ne suis pas détenteur d'un pouvoir, ni dans une entreprise, ni dans le gouvernement. Non, Eric, toi, tu n'as pas de position toujours. Non, en fait. Mais tu fais les yeux doux au pouvoir. Non, en fait, cher Falmamba, vous n'avez pas un ami que je respecte beaucoup et qui me soutient aussi. Moi, je soutiens la vision du président de la République. Mais c'est ça et même. Je défends cette vision-là. Et c'est là. Mais quelle est la vision de M. Tshisekedi? Tu n'as jamais parlé de cette vision. Peu importe, mais il faut me suivre, soit à un plateau. Une vision qui est basée sur les erreurs. Non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, si vous avez la gratuité de l'enseignement primaire, au niveau primaire, c'est à cause de sa vision. Et oui, nous avions fait ce débat avec vous. Si nous avons la réforme de l'armée et la puissance de l'armée aujourd'hui, c'est grâce à cette vision. Nous avons fait ce débat avec vous. Aujourd'hui, si nous avons la gratuité de l'accouchement et les soins de santé gratuits pour les nouveau-nés, c'est grâce à sa vision. Il ne faut pas les nier. Donc, non, même mais si, quelle même vision si demain, ouais, la gratuité demain. De la Constitution est la gratuité de l'enseignement est constitutionnelle. S'il vous plaît, maître. Ce n'est pas un cadeau que M. Tshisekedi dit. S'il vous plaît, mais il fallait quelqu'un pour pouvoir les matérialiser. Mais c'était dans la Constitution. Est-ce qu'avant lui, celui qui était là l'avait matérialisé? C'est comme si Tshisekedi nous a fait un cadeau. S'il vous plaît. C'est comme si Tshisekedi a fait au Congolais un cadeau. Il faut trouver des personnes pour pouvoir matérialiser et faire ce que la Constitution a dit. Mais dans l'application, ça se fait comment? Non. Il y a un problème de l'applicabilité. Non, les personnels enseignants sont pris en charge. Comment? Aujourd'hui, ça va mieux qu'ailleurs, cher Fall. Si vous êtes incapable de pouvoir capitaliser les acquis ou les fondations qu'a fait Tshisekedi aujourd'hui dans le secteur de la santé et de l'enseignement, des mois après demain, quand vous allez prendre le pouvoir en 2028, vous allez échouer. Parce que quand vous allez venir, vous allez dire quoi? Non, je suspends la gratuité de l'enseignement. Non, nous, je suspends la gratuité de l'accouchement. Je suspends les soins pour les nouveau-nés. C'est ce que vous allez dire. Non, je suspends la loi sur la programmation militaire, sur la formation, je suspends le service national. C'est ce que vous allez dire? Non. Non, nous savons vous allez capitaliser ces acquis-là et vous allez commencer au moins à construire une fondation que Tshisekedi a construite. Non, Tshisekedi n'a donc, pas construit. Donc, il ne faudrait pas avoir cette obscurantisme là. Il n'y a pas de fondement à tout moment figé sur un tableau noir alors que tout n'est pas aussi noir que vous le croyez. Les enfants de Bounagana, les enfants de Bounagana n'ont pas aussi noir que vous le croyez. Ils n'ont pas fait les examens d'État, c'est la deuxième année. Leur avenir. C'est indépendamment de la volonté de l'État congolais. Non, je dis, ça fait c'est indépendamment de la volonté de l'État congolais. Est-ce que l'État congolais peut accepter qu'une partie de ses territoires puisse être occupée par une armée étrangère? Je crois que non. Est-ce que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peut accepter
que ces enfants-là, dont il a donné la gratuité de l'enseignement, que ces enfants-là ne puissent pas aller à l'école. Non, ce n'est pas, pas dans sa logique. Est-ce que le chef de l'État, celui-là qui a donné la gratuité de l'accouchement, la gratuité des soins de santé pour les nouveau-nés, peut accepter que ces femmes puissent accoucher même au sol? Non, ce n'est pas de sa volonté. C'est une situation qui nous est imposée par le Rwanda et certaines forces des multinationales. Et cela, il faut le reconnaître. Et ce n'est pas que le chef d'État est là, il croise les bois, il observe. Non, il est en train de travailler pour donner des solutions conséquentes par rapport à la situation de l'Est. Ce n'est pas pour rien qu'il y a toutes ces manœuvres qu'il est en train de faire dans le secteur de la défense et de la sécurité. C'est pour que la paix puisse revenir dans cette partie Est. Et c'est une priorité. Pourquoi on ne récupère pas les territoires occupés jusqu'à aujourd'hui? Mais je vous ai dit, pourquoi vous ne reconnaissez pas les avancées? Si cette guerre, s'il y avait une supériorité conséquente de RDF et que l'armée congolaise était si faible que nous le croyons, sur ce plateau, je crois que Kinshasa allait déjà tomber. Mais si Kinshasa ne tombe pas, c'est parce qu'il y a une volonté politique. Si Kinshasa ne tombe pas, c'est parce que dans le secteur de la défense et de la sécurité, il y a des réformes. Et des réformes qui vont dans le sens d'amener notre armée vers un autre niveau. Hein, cher Dan, l'infiltration qu'il y avait dans notre armée, dans notre service de sécurité, mais ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Au moins aujourd'hui, on peut dire qu'il y a, on a pu savonner ou on a pu nettoyer l'appareil sécuritaire et des renseignements. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, l'armée rwandaise constate la perte de ces éléments dans la partie est du pays. Et qu'à chaque fois qu'il y a confrontation aujourd'hui, c'est notre armée qui remporte, qui sort la tête haute. Il ne faut pas rejeter. La situation d'aujourd'hui est meilleure que celle qui avait 6 ans ou 7 ans avant l'arrivée du président Tshisekedi? Non, l'essentiel ici, c'est de ramener la paix l'étendue de notre territoire. Est-ce que aujourd'hui est-elle meilleure? L'essentiel, c'est de ramener la paix. Et cette paix, nous le voulons, nous la chérissons tant. Aujourd'hui, on voit combien de déplacés internes dans notre propre pays? On a combien de déplacés internes? Cher Dan, je crois que ces questions doivent faire l'objet d'un plateau spécial pour venir et en pouvoir à parler. Ici, vous nous avez invité pour pouvoir aborder le gouvernement. Sur le profil. C'est parmi les priorités. Je crois aujourd'hui au leadership de Judith Suminwa Tuluka. Je crois à sa capacité managériale de pouvoir imprimer, si je peux dire, un nouvel ordre de la gestion de cette pays, de ces pays et de cette patrie que nous aimons tant, nous tous. Merci beaucoup, M. Eri Masimbo. Alors, M. Arnold Tsinga, est-ce que vous croyez que notre pays, d'abord, en combien de temps faudra-t-il pour que notre pays puisse être un pays qui soit fort économiquement? Il nous faudra, s'il y a une bonne politique, comme vous l'avez dit, pour une politique publique, ça peut nous prendre combien de temps pour que notre pays puisse être sous les rails? Le développement, c'est un processus multidimensionnel. Le développement, c'est lorsque les libertés réelles des personnes s'accroissent. Le développement, c'est lorsque un État ayant pris conscience de ses désirata s'éloigne d'une condition de vie perçue longtemps comme insatisfaisante et s'engage à celle qui paraît lorgnée, c'est-à-dire auquel on aspire. Donc, on ne peut pas détailler la durée ou la durée pour dire dans 5 ans, nous allons atteindre le développement. Ça, c'est impossible. Non, pas atteindre le développement quand même. Mais les problèmes majeurs auxquels notre pays fait face, c'est quoi? C'est un problème systémique. C'est un problème systémique. Tout dépend du système, tout dépend des cadres. Parce qu'on ne peut pas parler du développement sans travail, on ne peut pas parler du développement sans cadre, on ne peut pas parler du développement sans la création de la valeur. Parce que quand je parle de la création de la valeur, nous voyons même, si je vais plus loin, là où le président a parlé de la protection du pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat de la population vient du travail. On ne peut pas avoir le pouvoir d'achat sans le travail. Il faut avoir le travail. Il faut créer d'emplois. Il faut valoriser les secteurs entrepreneuriaux, les secteurs industriels, tous les secteurs portés de la croissance. Ouais, au regard de ce qui a été fait au premier mandat, les choix qui ont été faits économiquement, est-ce que cela a porté des fruits? Oui, il y a eu des fruits. Aujourd'hui, quand on regarde les secteurs des transports,
les gens pleurent aujourd'hui et les autres critiquent sans savoir. Les secteurs de transport, les problèmes, ce n'est pas du gouvernement. J'ai donc pas vraiment tort totalement au gouvernement, mais il y a des problèmes dans le secteur qui dépendent du comportement des entrepreneurs, des personnes qui travaillent, des propriétaires de transport. Parce que dans ce secteur, la majorité des personnes effrayées dans ce secteur sont dans le privé. Et la volatilité des prix des transports aujourd'hui est créée par les mauvais comportements, les comportements capitalistes des entrepreneurs et des excès dans ce secteur. Parce que les gouvernements avaient pris des mesures, avaient défini une politique de subvention des produits pétroliers dernièrement. Nous avions vu comment le gouvernement soutenait les trois sociétés, sociétés pétrolières, Kobil, Engen et Total, avec des subventions. Mais la crise énergétique aujourd'hui, c'est mondial. Ce n'est pas la crise de la RDC. La crise est importée par la Russie. Aujourd'hui, la Russie, la guerre de la Russie et l'Ukraine. Et c'est ça la cause de la hausse des prix dans les secteurs des transports et de l'énergie. Mais le gouvernement a subventionné ce secteur. Et aujourd'hui, moi, j'ai quitté IPEN pour arriver ici, j'ai payé 3 000 francs. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas lui parce que les prix des carburants a subi une volatilité, mais plutôt parce qu'il y a un mauvais comportement des chauffeurs, des receveurs, des personnes qui travaillent dans ce secteur. D'où les gouvernements ont l'autre rôle. Et c'est de quoi? C'est de réguler les prix. Je ne dis pas que le gouvernement doit fixer les prix, parce que la politique de fixation des prix ne vient pas du gouvernement. Si le gouvernement veut fixer les prix, là, le gouvernement devrait se faire entrepreneur. Comme dit John Maynard Keynes, lorsque l'État est en crise, peut se faire entrepreneur de grands travaux. Si l'État veut essentiellement fixer ou mener des politiques de fixation de prix, parce que lui, il est intermédiaire, l'arbitre entre les consommateurs et les entrepreneurs, il vient pour protéger les intérêts des consommateurs, il vient pour protéger aussi les intérêts des entrepreneurs qui payent les taxes. Donc, l'État ne peut pas fixer les prix dans le secteur des transports. Là, il faut comprendre, ce sont des consensus, ce sont des groupes syndicaux qui devraient défendre les droits des consommateurs, des utilisateurs des services de transport. Oui. Parce que la politique de fixation des prix des transports aujourd'hui émane des entrepreneurs. Très bien. Ça, c'est important d'en parler. Non. L'État devrait réguler les prix. L'État devrait appeler, réprocher les entrepreneurs ou frapper les entrepreneurs. De plus en plus, les prix augmentent. C'est de plus en plus l'État devrait serrer, mener des politiques et qui consistent à freiner le comportement, très bien, à décourager les investisseurs. Très bien. Mais, alors, parlons juste rapidement. Les Congolais se plaignent d'un fait que beaucoup n'arrivent pas à expliquer. Pourquoi notre monnaie est tellement instable chaque fois? On a l'impression que c'est... ça ne finira jamais. Hein? Depuis que moi, je me souviens que nous sommes tout petits, la monnaie ne fait que perdre de sa valeur. Ça ne commence pas aujourd'hui. Aujourd'hui, le 1 dollar, bientôt, c'est 3 000 francs si on ne fait pas attention. Qu'est-ce qui explique que notre monnaie, au jour le jour, ne fait que se dévaluer? Il y a un problème. Il y a un problème avec notre système ou notre prise des décisions en termes de politique monétaire. Parce que quand il s'agit de l'inflation aujourd'hui ou la dépréciation du monnaie nationale, c'est plutôt parce qu'il y a des politiques qui, auxquelles devraient faire face à ces problèmes, ce sont des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo. Parce que dans la loi organique et portant fonctionnement de la Banque centrale du Congo, à son article 9, stipule que la mission ou l'objectif principal de la Banque centrale, c'est de quoi? C'est d'assurer la stabilité du niveau général des prix. Et sans préjudice à cet objectif, la banque soutient les politiques économiques générales du gouvernement. Ça, c'est le problème de la banque centrale, parce que la dépréciation de la monnaie aujourd'hui, et quand on parle même de l'inflation, la dépréciation de la monnaie aujourd'hui est due par quoi? Est due par manque d'investissement. Manque d'investissement dans les secteurs de l'économie réelle. Là, c'est un vrai problème, parce que de plus en plus, nous vivons dans l'exportation. Qu'est dit l'FMI, par exemple? L'FMI reconnaît que l'augmentation du niveau général des prix s'est nourrie de l'augmentation des profits des entreprises et des États. Ça, cette conception est tellement appréciable. Pour les FMI, le Fonds monétaire international,
reconnaître que l'augmentation du niveau général des prix s'est nourrie de l'augmentation des profits des entreprises et des États. C'est-à-dire que nous vivons l'inflation qui est importée. D'accord. Importée par quoi? Parce que nous vivons plus de l'importation. Mais comment faire face? Il faut créer un marché flexible. Il faut créer un marché concurrentiel. Il faut créer un marché moins dispendieux. Et pour parvenir à la création de ce marché, John Maynard Keynes, pour citer, je vais terminer. Okay, okay. John Maynard Keynes a dit, pour parvenir à la création de ce marché flexible, parce qu'il y a flexibilité, c'est lorsque les exportations égalisent les importations. John Maynard Keynes a dit, il faudra que les pays des grands exportateurs, des pays d'économie d'échelle, réduisent leurs exportations vers les pays du Sud, vers les pays d'économie précaire, telles que nos économies, merci, afin de créer la flexibilité. Mais vous voyez aujourd'hui, ce qui se passe dans les marchés internationaux, ou le marché mondial, c'est que la Chine, première puissance économique mondiale, a doublé ses exportations en 2023. La Russie a triplé ses exportations dans le secteur énergétique. L'Allemagne, quatrième puissance économique mondiale, a doublé ses exportations. Les États-Unis d'Amérique, le président Emmanuel Macron a parlé le 25 avril au Sorbonne. Il a dit qu'il y a des puissances mondiales qui ne respectent pas les normes du commerce international. Ça, il y a un vrai problème. Mais qu'est-ce que dit l'OCDE? Qu'est-ce que dit l'Organisation mondiale du commerce? Elle dit à la Chine, attention à vos excédents. Au lieu de frapper ses excédents pour décourager, au lieu de taxer ses excédents. Merci. Là, il y a un vrai problème. Mais pour finir, c'est à nous maintenant, les Congolais, les Africains, de prendre conscience de l'ampleur des importations auxquelles nous estimons avoir. Et ça, c'est important. Il faut se positionner. Pour nous, c'est définir une politique de fixité et de fixation des niveaux d'importation. Merci. Parce que les importations ne sont pas gérées. Merci. On importe tout et on consomme tout. De même, on ne peut pas tout consommer et tout importer. Merci. Donc, c'est important. Merci beaucoup, M. Arnold Singa. Je crois que peut-être il faudra expliciter, aller dans chaque thématique pour aller vraiment dans le fond. La question de l'économie congolaise pose problème. Espérons que le Seigneur va faire quelque chose. Hein, entre-temps. Il n'y a pas un problème du Seigneur. Nous ne sommes pas sérieux. Oui. Bon. Alors, on souhaite la bonne chance à ce gouvernement. On espère que bientôt c'est l'investiture. Portez-vous bien, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup à vous tous. Merci à M. Henry, M. Fall. Arnold Singa, l'économiste, M. Eric Massimbo, merci. Excellent week-end chez vous. À la semaine prochaine.